In this video, I'm going to show you how to learn English by yourself. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre l'anglais seul. Donc, moi étant francophone, comme la plupart des gens, j'ai appris l'anglais à l'école, au collège et au lycée, donc 7 ans au total. Et à la fin de ces 7 ans, j'avais vraiment du mal à avoir même une conversation de base avec un locuteur natif en anglais. Alors, j'ai dû apprendre l'anglais par la suite tout seul. Et j'ai utilisé beaucoup de méthodes. Alors, certaines méthodes n'étaient pas du tout efficaces. Certaines l'étaient beaucoup plus. Donc, ce que je vais expliquer, les méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est mon expérience personnelle ainsi que toute la littérature scientifique que j'ai pu lire sur l'apprentissage des langues. Et spécifiquement, ici, je vais parler de l'apprentissage de l'anglais. Alors, je vais diviser mes méthodes en 4 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle input, donc c'est l'apprentissage de l'anglais à travers la lecture et l'écoute. Donc ça, c'est la première catégorie, input. Et ensuite, vous avez la deuxième catégorie qui est output. Donc output, ça va être tout ce qui est l'apprentissage de l'anglais à travers quand on parle ou alors quand on écrit. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le fluency development. Donc fluency development, c'est un peu le développement de votre aisance à utiliser l'anglais. Donc, je vais expliquer plus tard dans la vidéo de quoi il s'agit. Et dernièrement, la quatrième catégorie, c'est l'étude délibérée de l'anglais. Donc, c'est l'étude délibérée de l'anglais, c'est tout simplement, c'est la plupart des activités qu'on ferait dans une salle de classe, c'est-à-dire utiliser des flashcards, par exemple, des listes de vocabulaire, apprendre la grammaire, des choses comme ça. Je vais vous montrer des activités qui sont vraiment très efficaces. Alors, on va commencer par la première catégorie. Alors, juste avant qu'on commence avec la première catégorie, pour les différentes activités que je vais proposer, il va falloir que vous utilisiez du contenu en anglais. Donc, je vais mettre un lien vers les ressources que je recommande pour étudier l'anglais si vous voulez les utiliser avec les activités que je vais proposer. Donc, alors, première catégorie, input. Donc, comment est-ce qu'on apprend l'anglais en écoutant? Comment est-ce qu'on apprend l'anglais en faisant la lecture? Je vais commencer par l'écoute parce que c'est, personnellement, moi, c'est ma méthode préférée. C'est pas nécessairement que c'est plus efficace, mais moi, c'est ce que je préfère. Alors, j'ai parlé de ça dans des vidéos précédentes, mais pour l'écoute, ça va être l'écoute répétée. Alors, l'écoute répétée, en quoi ça consiste? Alors, on imagine, par exemple, que je regarde Netflix, quelque chose qui m'intéresse, je regarde en anglais. Je peux regarder avec la première fois avec des sous-titres en français, le but étant, lors de la première du premier visionnage, de vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre le contenu, plus que vraiment se concentrer sur l'anglais. Donc, le premier visionnage, on essaye de comprendre. Ensuite, il faut réécouter ce qu'on a vu sur Netflix. Donc, par exemple, si vous avez un appareil mobile, un smartphone ou une tablette, vous pouvez télécharger cet épisode ou ce film sur Netflix, sur l'application, et ne pas regarder nécessairement, mais juste écouter plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, et vraiment vous concentrer sur la langue. Et comme vous comprenez en fait ce qui s'est passé, vous comprenez parce que vous avez lu les sous-titres, petit à petit, même si vous ne comprenez pas tout, vous allez assimiler à travers la répétition. Répéter comme ça du même contenu, ça permet d'être exposé, d'avoir plus d'opportunités d'apprendre un certain vocabulaire, une certaine grammaire, certaines expressions, certains moyens de prononciation, certains accents. Donc c'est extrêmement, personnellement, c'est la méthode qui m'a fait vraiment le plus progresser. Ensuite, comment est-ce qu'on apprend l'anglais par la lecture? Alors, la lecture, il y a une activité que j'ai proposée aussi dans le passé, c'est ce qu'on appelle le narrow reading, donc c'est la lecture étroite, entre guillemets. Et ici, tout ce qu'il faut faire, c'est, imaginons par exemple que je prends des livres ou des articles, des pages internet en anglais par rapport aux échecs. Parce que voilà, j'aime bien jouer aux échecs, j'ai envie de lire des choses à propos des échecs. En anglais, je fais ça, je lis uniquement des choses par rapport aux échecs, et parce que, dû au fait que je lis des choses qui sont uniquement reliées aux échecs, je vais être exposé à un vocabulaire qui est beaucoup plus concentré autour des échecs. Donc il y a beaucoup de répétitions, toujours les mêmes constructions grammaticales, toujours les mêmes expressions, etc.
Donc cette activité est extrêmement efficace et j'ai oublié de préciser ça, mais toutes les activités que je propose dans cette vidéo, ce sont des activités que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est vraiment basé sur la littérature scientifique de l'apprentissage des langues. Ok, donc ça c'était la première catégorie pour input. Ensuite, output. Donc comment est-ce qu'on apprend l'anglais à travers en parlant et en écrivant. Je vais commencer déjà par l'écriture. Alors pour l'écriture, une activité que je propose ici, c'est lire pas mal sur un sujet. Donc vous pouvez faire de la lecture étroite, narrow reading. Vous lisez par exemple par rapport, je sais pas, aux échecs. Et ensuite, vous essayez d'écrire un paragraphe ou même un essai par rapport aux échecs, quelque chose que vous avez envie de dire. Une fois que vous avez terminé d'écrire cet essai, il faut avoir un genre de retour d'un locuteur natif ou d'un professeur. Alors je réalise que certaines personnes n'auront pas nécessairement les moyens d'embaucher quelqu'un pour avoir un retour, hein, un professionnel ou un locuteur natif, mais si vous avez quand même de l'argent à investir, ce qui serait pas mal quand même. Je vais mettre des liens dans la description pour voilà des sites où vous pouvez trouver des professeurs, des tuteurs qui vont vous corriger. Ok. Alors, ça c'était pour l'écriture. Ensuite, comment est-ce qu'on apprend l'anglais en parlant? Alors, pour l'activité que je vais proposer ici, c'est un truc vraiment classique qui est vraiment très très efficace. C'est la mémorisation de phrases ou la mémorisation de dialogues. Donc, imaginons que je regarde quelque chose sur Netflix en anglais. Voilà, j'ai des phrases et je vais les apprendre par cœur, ou alors des dialogues entiers, je vais apprendre ça par cœur, et ça a l'air d'être une activité qui est bête comme ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement efficace parce que une fois qu'on mémorise ces phrases, on mémorise les dialogues, ces constructions grammaticales, ces phrases en entier, ce vocabulaire va être disponible à tout moment dans notre tête pour un usage vraiment rapide et très efficace. Voilà, donc la troisième catégorie, alors c'est le Fluency Development. Donc je vais expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le Fluency Development. Donc Fluency Development, c'est, je dirais en français, c'est le développement de l'aisance avec votre utilisation de l'anglais. Donc en fait, quand on parle anglais, quand on écoute, on essaye de comprendre la compréhension orale, quand on écrit ou quand on lit, il y a un élément de temps en fait. C'est voilà, on peut avoir beaucoup de vocabulaire, on peut avoir beaucoup de connaissances en anglais, mais quand on essaye de parler anglais, il y a toujours des coupures, on est toujours à essayer de chercher nos mots. Pareillement, quand on écoute quelque chose en anglais, voilà, quand on écoute quelqu'un qui parle lentement, peut-être des voix qui sont spécifiquement voilà dans les manuels ou des ch choses comme ça, on arrive à comprendre, mais une fois qu'il y a un film en anglais où vraiment il y a des locuteurs natifs qui parlent à une vitesse plus naturelle, c'est plus compliqué. Voilà, donc il y a vraiment un élément de temps, de rapidité qu'il faut développer dans son apprentissage de l'anglais. Donc ça s'applique pour la langue parlée, ça s'applique pour l'écoute, ça s'applique pour la lecture et l'écriture. Je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement par rapport à ce sujet parce que je pense que c'est quand même un sujet un peu spécialisé, le développement de cette rapidité, de cette aisance avec l'anglais. Donc laissez-moi un commentaire dans les commentaires sur cette vidéo si vous voulez voir cette vidéo, si vous voulez que je fasse cette vidéo. Ok, donc je vais passer à la quatrième catégorie ici qui est l'apprentissage délibéré de l'anglais, de la langue. Alors ici, il y a plusieurs activités qui sont possibles et parce qu'en fait il y a plusieurs catégories de choses à apprendre, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, etc. Mais ici je vais suggérer une activité qui est extrêmement efficace. La littérature scientifique et ma propre expérience montrent que c'est probablement une des activités avec le plus gros retour sur investissement, c'est l'utilisation des flashcards. Alors les flashcards, que ça soit avec des mots ou avec des phrases. Ce qu'il faut faire ici, c'est faire des flashcards avec un logiciel, une application de flashcards, où devant vous avez un mot ou une phrase en français, et ensuite vous vous demandez, ok, bon ben, comment est-ce que je dirais ça en anglais? Et vous avez la réponse derrière cette flashcard. Alors, il y a des sites et des applications où vous pouvez trouver des listes de flashcards comme ça qui sont déjà faites. Mais il y a aussi la possibilité, moi c'est ma solution favorite, c'est d'avoir des sites qui vous permettent de créer vos propres flashcards à partir par exemple de choses que vous voyez sur Netflix
ou de choses que vous lisez. Alors, je recommande spécifiquement un site qui s'appelle Lingopie. Je vais mettre un lien dans la description, mais Lingopie est une application, c'est un site qui permet de créer des flashcards à partir de Netflix. À mon avis, c'est vraiment une application qui en vaut vraiment la peine. C'est pas si cher pour ce que c'est. Et voilà, c'est extrêmement efficace et en plus c'est amusant, voilà, de faire des flashcards à partir de ce qu'on voit sur Netflix. Donc voilà, c'est tout. J'ai présenté un peu toutes les activités des quatre catégories. Encore une fois, je vais mettre un lien vers toutes les ressources que je recommande dans la description de cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo.